Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie sur tout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Est-ce que selon vous, la France se dirige vers plus de métissage ou vers plus de communautarisme identitaire ? Oui, bien sûr, elle se dirige vers plus de métissage. Au final, c'est un pays de métissage, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas plus grande injustice que de s'en prendre à quelqu'un pour une couleur qu'il n'a pas choisie. Est-ce que moi, je me souviens pas d'avoir choisi ma couleur. Je me souviens pas de m'être réveillé ou à un moment dans le ventre de mes parents, il y a des boutons, j'ai choisi la couleur noire. Je me souviens pas de ça. Peut-être que j'ai raté quelque chose, mais je n'ai pas choisi de couleur. Comment tu peux t'en prendre à quelqu'un qui n'a pas choisi ? En général, on s'en prend à quelqu'un pour des actes qu'il aurait fait, pour des choix qu'il a fait, mais tu t'en prends pas à des gens pour ce qu'ils n'ont pas choisi, quelque chose qu'ils n'ont pas maîtrisé. On est né comme ça. Et le racisme, pour moi, c'est ça. Ça fait partie des plus grandes injustices. Vous en avez souffert, du racisme ? J'en ai souffert étant gamin un petit peu, bien sûr. Et ce qui choque, c'est que les blagues qu'on a pu me faire, on les fait encore aujourd'hui. À des enfants qui avaient mon âge. Moi, on m'a traité de singe ou de macaque ou de sale noire. Et des enfants d'aujourd'hui, en 2021, c'est la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un boulot qui n'est pas fait. Vous diriez que la France est un pays raciste ? Non. Je ne dis pas que la France est un pays raciste. Je ne peux pas dire ça, parce que ce serait condamner des innocents. Ce serait condamner des gens qui ne le sont pas. On ne peut pas dire ça comme ça. Moi, je suis un enfant du peuple. Je suis issu du peuple. Quand je dis un enfant du peuple, c'est un enfant du peuple de France. Je n'ai pas grandi à Kinshasa. J'y suis né, je suis congolais d'origine, mais j'ai fait mes dents, mes pas ici, avec les gens d'en bas, les gens du peuple. Quand on dit que je suis un haut-parleur, je suis un haut-parleur pour le peuple. C'est eux qui achètent mes disques, mes CD, qui remplissent mes salles. Donc je vais pas dire que ces gens-là sont racistes, c'est pas vrai. Ils sont pas racistes. Moi j'ai appris plein de choses en France, j'ai passé mes meilleurs moments en France. Le mal est là, mais le bien domine. Et le bien dominera toujours. Toujours.